Ah oui, c'est Local Accord. Salut YouTube, comment ça va? On est ici pour jouer à Secret of Mana sur PlayStation 4. Le stream vient de se lancer, tout fonctionne à la perfection. On passe vraiment La boule un bon moment magique. ensemble. Merci pour les subs. Je vous remercierai dans quelques instants. Oui, bien entendu, mets un pouce bleu, mais plus tard. C'est parti. Alors, après un petit générique. Attendez. Attendez, parce qu'il y a un petit souci, j'ai pas refait mes transitions. Je pense que si je mets 4000, c'est angoissant juste comme il faut. Tout de suite, générique! Allez, on se retrouve tout de suite après le générique! Un drôle de streamer, 15-19 heures, des putains de jeux en 16 couleurs. J'ai tout maté, je me suis fait chier. Bonjour! C'est parti! Putain, allez. Découvrons ensemble de quoi il en retourne. Mais où suis-je? Pourquoi je suis là? Je comprends rien. Je comprends rien ce qui se passe. Moi, je maîtrise plus rien sur ce stream. Voilà. Alors, j'ai mis à jour le jeu, hein. C'est la version 1.1. Ça vient de sortir. Bon, on a la lumière, mais on n'a pas la sono. Voilà. Ah, les bruits de baleine. Alors, voyons voir. J'ai entendu quelques musiques refaites. J'étais moyennement convaincu. Mais voyons voir. Ah, mais il faut me montrer l'arbre là. Ah. Merci. Dans des temps troublés, le peuple attend le héros qui brandira l'épée et ramènera la paix sur le monde. Excalibur, Kusanagi, Masamune, la boule magique. L'épée porte bien des noms dans les mythes et légendes. Qui la glorifie? Mais tous désignent en fait la même lame. L'épée sacrée de Mana. La légende dit qu'il y aurait des flamants roses mal animés en version papier-carton. Qui inonderait un écran de légende. La musique, ça va, cette musique-là est jolie, elle est orchestrée. Mais normalement, c'est beaucoup plus long le texte. Mais non, je voulais voir s'il n'y a pas la transition naturelle. Moi, je pensais qu'il allait passer de l'une à l'autre. Mais en même temps, la réorchestration en fait des caisses et rajoute des mesures. Donc en fait, non, c'était pas possible. Ok. Mais bah, attendez, c'est où que je dis voix japonaise ou voix... anglaise ou machin. C'est un peu fort, comment ça? Oui, mais parce qu'on sait, c'est parce qu'on est sur XSplit. C'est parce qu'on est sur XSplit. Il faut que je règle ici. Ouais, mais regardez, je règle en un clic. En un seul clic. On fait l'amour trop vite. Ok. Allez, c'est parti. On y va. «
Pourquoi le troisième fichier? Le dernier est utilisé par sauvegarde automatique. Ah! Que va-t-il choisir? Faut-il faire plaisir aux whips de merde? Si on joue en anglais, sera-t-on qualifié d'être le dernier des enculés? Ah, par contre, je mets les sous-titres en allemand. Ah zut. Oh là là, c'est nouveau ça, c'est nouveau. Harukana mukashi. Ah non, d'accord, ils ont fait ça. マナの力によって進化した文明が地上に栄えていた。やがて人々はマナの力を戦争に利用するようになり、マナの要塞と呼ばれる巨大な船を生んだ。しかしあまりに強大なその力は神々の怒りに触れ、神獣が地上へと遣わされた。要塞と神獣の激しい戦いが世界を炎と毒で包み、地上からはマナが失われていった。その時聖剣を携えた勇者によって要塞は落とされ、神獣も人々の前から姿を消した。戦争によって文明は失われたが、世界には再び平和が戻った。OK。時は流れ、歴史は繰り返す。キャディッシー？Hein? Attendez, j'ai une PS4 Pro, hein, ça n'a pas intérêt à tourner en 10 FPS. Alors que c'est plus joli que ce à quoi je m'attendais, figurez-vous. Alors on pourrait le passer, mais on va pas le faire. Je pensais que ça avait l'air encore moins beau dans les vidéos. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Non, mais il y a les sous-titres, vous n'avez pas besoin de comprendre. Ikuzoa! Oh putain, il y a... S'il y a quelqu'un qui essaie de vous sauver comme ça, c'est que clairement il avait envie que vous creviez, hein. Alors. Bon alors, là quand même, parce que j'ai une PS4 Pro. Alors, ce qui est mignon, c'est que... Ah oui, mais attendez, le micro est... Le son du jeu est encore super fort, non? Ce qui est mignon, c'est que la minimap est en mode le jeu original, quoi.
Ah, je peux rien faire là. Alors, juste pour info, la manière dont la musique a été remixée, hélas, nous donne un petit peu le la, nous indique un petit peu quelle est la direction qui a été prise au niveau général. On essaye vraiment de séduire un nouveau public, ce qui est un move un peu bizarre. Évidemment. Alors, mais pourquoi j'ai plus le droit aux options? Non, je veux pas partager. Non, je m'en fous. Non, mais voilà. Pourquoi j'ai plus. Bon, est-ce que je voulais vous faire écouter la musique originale? Pour qu'on se rende compte qu'il y a malaise. Pas. Théodule. C'est vrai qu'il y a un petit peu une ambiance Everybody's Golf. J'ai envie de faire un albatros là. Yo. Ça. Ken. Nukunoda. Dare. Nanda kono ken wa. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse. Attends, si je passe. Ah oui, si je passe, ça passe tout. Moi, je croyais que ça allait passer le dialogue parce que c'était long. Bon, il a récupéré l'épée. Donc, bon. Le système de jeu n'a pas changé, hein, tout va bien. Je tape et une barre. Il faut que j'attende que la barre revienne à 100% pour récupérer ma force optimale. Et les lapins, c'est des rabbits. J'ai toujours pas le droit j'ai pas le droit aux options encore. Non mais c'est bizarre, on a l'impression que je tape pas. Ah oui, non mais ils ont gardé un petit peu ce feeling original. Ok. C'est un petit peu comme le jeu original. C'est vrai que dans le jeu original, quand on tapait, c'était pas flagrant qu'on faisait mal. Vous voyez, un jeu optimiste bien sûr. Pourquoi ils ont mis un espèce de d'accord d'harmonica accordéon harmonium détuné? Pourquoi la guitare est remplacée par un espèce de marimba de Joel Clodo? Ah, les bonbons bien sûr. Ça va, ça c'est joli. Secret of Mana qui est quand même une des bandes son les plus extraordinaires de la Super Nintendo et d'un RPG tout court d'ailleurs. Laissez-moi changer. Alors par contre, ce qui doit être drôle pour ceux qui celles et ceux qui ont pas fait le jeu à l'époque, on peut toujours jouer en coop à 2 ou 3 joueurs. Son du jeu trop fort. Bah oui, vous m'étonnez, c'est bien ce que je pensais. Gueule. Ça doit gueuler à l'infini. On peut remettre les musiques originales, oui. Mais pas tout de suite, visiblement. Ah, le coup critique, bien sûr. En fait, je peux le spammer là, non? Parce qu'il a que 20 d'énergie. Ah, mais d'accord, je suis con. Je croyais que c'était pas possible. Ok. Pour rappel, hein, c'est ça la musique originale. C'était quand même plus sympa. Ah, l'overlay nique tout, ok. Comment on fait? On peut faire... Attendez... Par le pouvoir de... Ah oui, mais non, parce que j'ai locked la position. Bon, tant pis. Désolé pour l'overlay. Il
faut que j'enlève là, le loop. Il y a des viewers. Je vais y arriver, hein. Mais là, je profite de la musique un peu. Je profite un peu de la musique parce qu'après, on va remettre, hein, bien entendu... Merde, je l'ai bougé, je voulais pas. On va bouger, on va remettre la musique remixée pour quand même entendre ce qu'ils ont fait avec les autres morceaux du jeu. C'est la moindre des choses. Ah quoi ? Oui. Voilà, je me fais... C'est un gangbang. Mais non, je voulais pas. Attends, je vais baisser le son pour moi aussi parce que je suis en train de mourir, hein. Non, non, mais évidemment, non, mais le problème, c'est que je la connais pas. Je la connais par cœur, là. Mais non, mais foutez-moi la paix. Je la connais par cœur, la musique originale. Donc, même si je l'adore, faut qu'on comprenne la démarche. Ah, Théodule atteint le niveau 2. Baisse encore le son, vous êtes sérieux? Putain, c'est fou. T'as l'air très faible au final, non? Et si je m'augmente moi? Ah oui, là, je suis fort, là, d'un coup, non? Bonsoir. Ok. En tout cas, on farm l'expérience de manière optimale. Sauf que lui, il m'a bien rushé. Donc oui, évidemment, hein, il faut... Idéalement attendre que la barre en bas atteigne les 100% pour faire un coup optimal. Sinon on fait des coups si on spam, on fait des coups qui enlèvent très peu de points de vie. Et ensuite, par la suite, évidemment, on aura les attaques chargées et ça sera formidable. Ah oui, j'ai déjà la première. Regardez, je charge et paf. Oh, c'est lent, c'est mou. Voilà, en gros, si je laisse appuyer sur croix, je charge. Voilà, ma level 1. Ike. Incroyable, n'est-ce pas? J'ai fait quel autre jeu de la série des manas? Je suis pas... à part Secret of Mana, celui-ci, je suis pas très... comment dire? Connaisseur du reste. C'est-à-dire, j'ai commencé à peine Saiken Densetsu 3. Si, j'avais fait le jeu sur Game Boy, Final Fantasy Mystic Quest, du coup. Et Legend of Mana commençait aussi, et j'avais fait Children of Mana, me semble-t-il, sur Game Boy Advance. Oh, j'en peux plus. C'est quand même terrible, c'est dégueulasse. J'ai envie de dire la qualité. La qualité des remakes, des icônes refaites de ce remake, c'est scandaleux. C'est quand même scandaleux. Allez, tout de suite, retour sur le jeu. Ok, alors, oui, il faut parler à eux. Oh non, j'ai pas remis la musique, oh là là. Attendez, on va voir ce que donne la musique de boss. Parce que la musique de boss, elle est extraordinaire dans Secret of Mana. Hein. Ah voilà, là, je peux quand même passer le texte juste en appuyant sur croix. C'est juste pendant les cutscenes que... Ah,
政権がこの村を守ってくださるとされている。バカ野郎。C'est cette mu ce remix me rend taré hein. Et là on est vraiment dans les tréfonds de ces remix. Allez. Allez, alors la musique de boss. Ah, quel est ce mystérieux personnage vieux ? Je sens que j'ai mal le vivre, hein. J'écoute, hein. Ça aurait pu être pire. C'est pas ouf, hein. Mais croyez-moi, ça aurait pu être pire. Mais c'est pas ouf. Non, c'est dégueulasse. Je retire ce que j'ai dit, c'est dégueulasse. Pour le bâtard. C'est douloureux. Ah mais attendez, je vais pas utiliser mes bonbons parce que je peux pas mourir à ce combat. Spoiler. Mais je me réveille un jour ou... Ok. Il m'envoie missile de diamant. Putain, il est vénère, hein. Voilà. Un mystérieux personnage me ressuscite. Full life. Merci. Ah, je l'avais presque tué sans son aide. Il y avait peut-être un trophée, merde. La sphère d'épée, oui, on obtient moult sphères qui vont nous permettre d'améliorer nos armes, parce qu'on a plein d'armes. Parce qu'on aurait tendance à l'oublier avec la purge qu'on prend dans les oreilles, mais c'est un jeu extraordinaire. Ah, d'accord. Mais comment fait-il pour parler sans bouche ? Ah, il y a même pas d'animation labiale. C'est un peu con parce que ils ont pris des bons acteurs, semble-t-il. Non, mais en fait, comment dire ? Je comprends pas l'intérêt en fait. J'ai l'impression de revivre le cauchemar du remake de FF6 sur Android et Steam. ルサルカ様に聞くといいだろう。200年もこの地を見守り続けてきた方だ。何かいい知恵があるかもしれん。村長が家に来いってさ。では、私は用があるので先に行くぞ。私の名はジェマ。神殿で待っているぞ。 Bah, pourquoi j'ai plus le droit aux options du jeu ? Les ronds ? Mais non, je veux pas un raccourci. Mais pourquoi j'ai plus le droit d'avoir les options du jeu ? Pourquoi ce jeu c'est de la merde ? Attendez, on va juste
On va vivre le drama du jeu. Je voulais remettre les musiques de mort pour qu'on entende la version remixée. Flèche au bas. Non mais là ça va être trop tard. Là on est dans le vortex. Sur cette roulette, tu dois faire une flèche vers le haut ou vers le bas. D'accord, ok. Non, pas Théodule. Parce que là, on a une musique de la tristesse et de l'émotion, mais j'aurais bien voulu entendre le remake. T'es un kéké. T'es un kéké. Zannen da ga shikata nai. Yo. Shika ni takarabako ga aru. Sore de soubi o soroete iku to yoi daro. Ni na nu. Ah oui, vous avez raison. Attention. C'est un remake hein, d'ailleurs de c'est Angel's Fear bien entendu. Alors attention. Incroyable. Alors que tout à coup du bon goût. Par contre, je veux bien prendre les coffres en bas. Merci. Toi aussi, tu me détestes ? Moi ? Hein ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? On a sorti le clavier, bon tant pis. Pour rajouter des violons dégueulasses à des moments aléatoires. Non, attendez, parce que peut-être qu'avant que je me barre, je sais plus s'il y avait des quand même des villageois qui étaient pas forcément des bâtards et qui voulaient bien me filer genre un billet ou deux. Ah putain, ah ouais, il est encore plus... Il dance à donf là. Oui, si tu veux. Non mais de toute façon, il y a la sauvegarde automatique. Je ne comprends pas cette orchestration. Bah si, je comprends l'idée, c'est plutôt l'idée est bonne. Mais il y a Jean-Michel Potard qui fait n'importe quoi avec la table de mixage. Bon alors, vite. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait se prendre des trucs, non c'est pas grave. Ok. Ils ont rajouté des cutscenes quand tu vas dormir à l'auberge. Ah! T'es un kéké! C'est terrible, hein? Théodule le renié, Théodule le banni. Ok. Ok, on s'en va. Oui, je suis prêt à partir. Ah oui, alors non, vous m'avez dit, ouais, mais j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour dormir. Alors que je suis full life. Bâtard. Ah, les doublages, ils sont bons, hein. Ah oui, c'est vrai, ce remix de ses morts, ce remix de mort. Ah, j'ai déjà full bonbon. Ah oui, c'est dès le début, il y a le canon, c'est ça. On pourrait aller directement, avancer directement vers Gaia's Navel et compagnie avec le canon et voir l'animation du canon. Mais ce serait dommage de pas faire le. Si on va quand même faire un canon pour voir l'animation,
À l'époque, c'était le mode 7 de l'enfer. Parce que les frères canons. Voilà, le temple de l'eau. Ah bah Gema a payé d'avant, j'avais oublié. Bah oui, d'accord. C'est gratuit. J'avais oublié qui payait au début. Bah alors à l'époque c'était du zoom 7 dégueulasse, du mode 7 dégueulasse, mais à l'époque ça nous faisait rêver bien sûr. Est-ce que là on va rêver? Voilà YouTube, j'espère que tu as apprécié ce petit let's play de Secret of Mana sur PS4. Non, alors attendez, on va quand même aller voir le temple de l'eau et machin et truc. Non, moi j'ai dit, laissons encore une chance au jeu. Allez, tout de suite, retour au jeu. Alors. Ben voilà. C'est pas dur, hein. Il suffisait d'un peu de piano, de réverb. Et voilà. Fallait pas appeler Yvette Horner. Et Jackie, quoi. Jackie qui joue du bandoneon à Châtelet, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. Ah, Luca. My name is Luca. C'est Ruzalka. Luca-sama, je viens de remarquer à quel point. Non mais attendez, non mais j'en ai marre, j'en ai plein le cul. Il coûte combien le jeu? Non, j'aimerais quand même vous attirer votre attention sur l'horreur. L'horreur absolue. De cette putain de fontaine, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? On a filé RPG Maker à Kevin, et avant de coder le jeu noob, il a décidé de faire trois textures. Oh, j'en peux plus. Attendez. Ok. Bon, la musique est belle. Pour une fois, la musique est belle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas suivi du coup. J'étais omnibulé par la fontaine. Oui. C'est moi. C'est tout ce que t'as à me dire donc. Oui, voilà, des monstres attaquent, ce garçon. Moi, je comprends pas. Il y avait vraiment moyen de faire un truc sympathique, quoi. Écoutez, le doublage est bon, les musiques sont... Non, les musiques sont dégueulasses. Celle-ci est belle. On a enfin un bel arrangement. Ah oui, putain, faut pas que j'oublie de...
de courir. Mais je sais pas pourquoi je fais ça, ça sert à rien. Pour l'instant, il y a rien. C'est bien plus tard qu'il y aura quelque chose. Il y aura, ben, il y aura des orbes d'ailleurs, je crois. Souvenir lointain. Mais il n'y a même pas l'aspect kawaii, on peut pas customiser ces fenêtres là. Qu'est-ce qu'ils vont mettre là du coup? Niveau d'armes, niveau de magie, ok. État, choix de la cible attaquée, option. Voilà. Okay. C'est bon, je peux me casser? Non. Mais je savais même pas qu'il sortait sur PC, parce qu'il est sorti sur PC en même temps. C'est ça. Mais c'est le même problème qu'avec les Final Fantasy SNES et compagnie, c'est quand vous avez des jeux en 2D qui étaient excellents, surtout si on part sur Final Fantasy 6 ou Secret of Mana, qui sont des jeux en belle 2D. La belle 2D, ça vieillit pas vraiment, c'est rétro old school, mais voilà, ce sont des jeux colorés, très réussis, avec de très belles bandes son. Pourquoi en faire de la 3D dégueu avec des remakes poète-poète musicaux? Ah, ça parle à qui au final? Genre un ado, il va vouloir jouer à Witcher ou au nouvel Elder Scrolls, il va pas vouloir jouer à ça. Mais celui qui a joué à Secret of Mana à l'époque, il a l'impression de se faire baiser par tous les orifices. Donc je comprends pas la démarche, bordel. Les enfants de 6-10 ans, bah oui, mes enfants de 6-10 ans, c'est bon, hein, y a Mario Odyssey et Zelda. Hein. Ils vont pas se faire chier avec ça. Ok. Bon, j'ai pas suivi, je peux m'en aller? Ah non, faut que je touche le noyau. Qu'est-ce qui me fait si peur? La forteresse. À l'aéroport. Pourquoi tout cela n'arrive qu'à moi? N'empêche que j'ai acheté. Alors oui, mais j'ai acheté avec les frais de société de la MV Production parce que c'est un peu ce qu'on fait. C'est on présente des nouveaux jeux, on joue à des trucs. Et moi, voilà, je l'ai acheté pour que vous ne l'achetiez pas. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est une démarche presque caritative? Alors. Non. Ah non, là elle me demandait son aide, c'est ça. Elle me demandait mon aide. Bon, d'accord. Ok. Allez, c'est parti. Hop. Une noisette, je la casse entre mes fesses. Comme disait Jean-Claude Van Damme. Ah non, c'était une noix d'ailleurs. Alors, donc ça tombe bien, c'est exactement ça. Ok. Ah oui, on obtient la deuxième arme, la lance de bronze. Enfin si, on sait à qui ça s'adresse. Ça s'adresse à des connards tels que nous. Qui voilà, qui sont assez cons pour l'acheter. Mais entendu, alors, veux-tu aussi sauvegarder? Oui, si tu veux, oui. Oui, là, oui. Ah, Gaia's Navel. Allez, on y va. Le royaume de Pandora au sud. Tout à fait, où les gens sont possédés. Bon, allez, je vais faire qu'une partie. Je vais être super sympa avec vous. On va faire une longue VOD, hein, comme ça, on aura fait le tour. On pourra passer à autre chose.
Donc normalement si je fais peut-être triangle. Non, ça reste carré. Ok. Les armes. Donc voilà, je peux passer à la lame de bronze qui est un peu plus puissante. Enfin la lance plutôt. Qui est plus puissante de 1. J'ai pas compris si je peux programmer mes attaques ou si c'est du full pif. Le souci de la lance par rapport à l'épée, c'est qu'elle doit pas trancher les buissons. Et puis c'est un petit peu con de passer à l'épée en vrai vu qu'on est en train de level up pour... Ah mais non, on peut pas level up encore l'épée parce qu'on l'a pas... J'ai une sphère. Mais je l'ai pas upgradé ou je dis de la merde en barquette, attendez. Je sais pas s'il y a un niveau à prendre ou le niveau à prendre. Ça sera seulement si je l'upgrade. La boule magique. La boule magique. Merci BXAKid pour le host. Merci beaucoup. Niveau des armes. Niveau 1, sphère 2. Oui, voilà. Niveau 1, 0. Ouais, j'ai déjà level up en fait. Et là, je peux plus, c'est ça? Oh. La plante de ses morts. Putain, ah oui, faut les voir. Elles sont beaucoup plus. Elles sont camouflées par rapport à la version SNES. Ok. La boutique de Niccolo. Oui, exact, le petit chat. C'est Neko. Ah, j'ai envie de voir la gueule de Neko parce que Neko, il est tout kawaii. Attendez, je loupe plein de trucs. J'ai loupé plein de subs, je suis désolé. Je vais y revenir. Ah, le petit chat. Ta bourse est-elle plutôt bien pleine? Oui. En effet, j'en ai gros. Quoique là, je... Vu le remake, je dirais plutôt que j'ai les patates au fond du sac. Alors, Le bonnet lapin, le protège bras, c'est pour lui, clignote. Alors attendez, on m'a dit qu'il y avait peut-être des cutscenes si je m'endormais. Oui, ma bourse est pleine, oui. Dormir. 30! Ah, c'est ce qu'il mettait derrière la boîte, non? Ah, attendez. Oui. Thank you.
Oh, j'aurais bien voulu écouter cette musique en réorchestrée. Alors, je vais vous spoiler un truc, ça c'est parce que je suis en contact avec avec Square Enix. Je connais bien des gens de chez Square Enix, c'est sûr. Je vais vous montrer. Alors, j'ai pas envie de me faire strike, mais en exclusivité, ils m'ont envoyé la musique du dernier boss, qui est quand même incroyable. Hein, je vais pas vous spoiler quel est le dernier boss, mais bref, le dernier boss c'est quand même quelque chose. Mais vu que j'ai pas envie de me faire strike, je vais juste vous mettre le début de cette piste. Donc ça, c'est la musique du dernier combat. Elle commence comme ça. Attention, attention chez vous. Voilà. Mais je peux pas en mettre plus. Sinon, la vidéo va se faire strike sur YouTube. Ok. Alors. Ok. Qu'est-ce qui se passe en bas? Quand on joue à Secret of Mana, tout le monde jette ce colombin. Ah! Les champignons, bien sûr. Oh là là! C'est comme Mario! Je vous avoue que... Les musiques arrangées me manquent un peu. Non mais regardez quand même, c'est immonde ce qu'on est en train de voir. Non, regardez, à la limite le modèle du héros, il est kawaii, il passe. Mais là, franchement, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a rien qui va. Genre ça, là. Ces fleurs de l'espace, là, elles ont rien à foutre, elles se marient très mal. Oh. Ok. Mais non, mais là je suis en train de retourner vers le canon Marne. Faut qu'on aille au sud. Vers... Merde! Mais oui, je fais pas gaffe. Évidemment, je fais pas gaffe vu que j'en ai rien à branler. Bon, faut qu'on retourne vers le village des hommes possédés. Avec ça, ce remix des enfers. Ok. Bon allez, je crois que toutes les bonnes choses ont une fin. Non parce qu'attendez, parce que là je vais vers... Ah si, à Gaia's Navel, il y a un petit donge. Ouais, on peut... Non! Pas la bite en bois. Bah oui, c'est pour remonter la bite en bois. Mais putain, j'oublie que j'ai un bouton de dash. Ah, attention au dash par contre. Parce que le dash... Ah mais c'est plutôt bien fait là. Ça descend le pourcentage vite tough, mais il remonte très vite. Donc en fait, on n'est pas trop pénalisé. C'est vraiment une bite en bois, hein, by the way. Absolument pas rentable de charger mon attaque là en fait. Pour ce genre de situation. Ah mais merde, j'aurais dû passer à la lance pour la level up. Mais en même temps, là, il va y avoir des buissons. C'est bien ça. Hein. Si je passe à la lance... Voilà, on casse pas les buissons. Et donc là, j'ai même pas le level 1, c'est ça? Attendez, je laisse appuyer. Oui, voilà. Je l'avais avec l'épée. Oh, le coup critique. Donc ouais, on va level up cette arme pour avoir l'attaque chargée. En sachant qu'on upgrade, bien entendu, hein, pour si jamais vous n'avez pas fait le jeu. On a beaucoup d'armes disponibles dans le jeu qu'on peut reforger et améliorer au fur et à mesure. Et forger ces armes nous permet de nous réentraîner derrière pour avoir des attaques chargées qui deviennent de plus en plus puissantes. Ce qui est assez stylé. Donc ouais, là je pense... Le royaume de Pandora. Très bien. Tasmanika-kokkara ira. それから言っておくが
Oui, non, mais ils sont tous clairement full drogués là, tous sous Xanax. Donc ça nous intéresse pas, ça nous intéresse pas. Faut que j'aille directement à. Masturbin, arrête de jouer avec ton kazoo. Putain, mais y'a rien qui va. Attendez. Juste quand même, voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Zobby la mouche. Putain. Ok. Ok. Je vais pas m'énerver. Hein. Ok. Bon, allez. Voilà. J'en peux plus. C'est Secret of Mana. C'était donc Secret of Mana sur PS4, également disponible sur Steam pour la modique somme de 220 francs. Ah bah non, plus cher que ça au final. Voilà. Donc ce n'était pas une OPSP. Allez, au revoir. Mets un pouce bleu et la cloche.